Allez, en vitesse. Ouais, ça c'est Nouchka qui réclame encore un croissant alors qu'on en a déjà eu un. Un petit déjeuner. Puis on va rejoindre. Coucou. Yep. Puis on va rejoindre Vincent qui va arriver pour son explication sur son association. Donc voilà. On va faire tout ça ce matin. Puis après, montage. Mais là, on est samedi 24 décembre. Faire les courses après. Le montage pour se faire un petit repas de Noël avec les loulous et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Salut Vincent. Namasté. Alors on s'est croisé donc sur la plage de Louille, juste à côté du cirque de Portail. Donc moi j'étais garé sur le parking de la Roche de Portail. Et donc tu me parlais d'un mouvement dont tu fais partie. Voilà, un mouvement pour lequel je milite depuis des mois, qui s'appelle Sauvons les sols. Donc ce mouvement est issu d'une fondation de yoga qui est basée dans le sud de l'Inde, qui est la fondation Isha, qui compte à peu près 17 millions de bénévoles à temps partiel et 5700 à temps plein. Et donc ce mouvement, c'est une réponse au fait qu'actuellement, les agences des Nations Unies estiment qu'il nous reste des sols agricoles pour à peu près 45 ans sur la planète, donc 45 ans d'agriculture. Ça veut dire que concrètement, d'ici 20 ans, on devrait produire 40% de nourriture en moins. Donc tu imagines bien, si pendant 3 jours, il y a 40% de la population qui n'a pas mangé, ça serait... des guerres civiles, voilà, qui éclateraient un peu partout et le chaos et la souffrance seraient juste inimaginables. Donc pourquoi aujourd'hui notre sécurité alimentaire est compromise, même sous nos latitudes? Il faut comprendre que si on prend du sable, on met la matière organique dedans, ça devient de la terre. Mais si on prend cette terre et on enlève cette matière organique, ça redevient du sable. Donc dans une forêt tropicale, il y a plus de 70% de teneur en matière organique, à titre d'exemple. Et finalement, le minimum nécessaire dans un sol pour qu'une nourriture humaine puisse y pousser sans intrants chimiques, c'est de 3% de teneur en matière organique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une seule nation sur Terre qui a ce minimum-là en moyenne, parce que la moyenne la plus élevée, c'est chez nous, en Europe du Nord, et on n'a que 1,48, donc moitié moins que le minimum nécessaire. Après, toutes les autres nations sont en dessous, donc Europe du Sud 1,1, États-Unis 1,25, en Inde, ils sont qu'à 0,68, sachant qu'en dessous de 1%, c'est considéré comme de la désertification avancée, et en Afrique, ils sont qu'à 0,3, donc là, c'est un désert vraiment très très grave. Et d'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a deux nations qui sont rentrées en cas de famine là-bas. Donc c'est la culture intensive le problème? Culture intensive, ça veut tout et rien dire. De manière précise et concrète, ce qui a engendré ça, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 85% des ministères agricoles des nations du monde qui considèrent encore les sols comme une substance inerte qu'on peut gérer en ajoutant, en enlevant un produit chimique. Alors qu'en fait, finalement, ces 30 premiers centimètres de couche arable qu'on appelle un sol cultivable, à l'intérieur, il y a 86% de la biodiversité de cette planète. Et c'est vivant au point que dans une seule cuillère de sol en bonne santé, on a plus d'organismes que d'êtres humains sur Terre, c'est-à-dire 8 à 10 milliards, c'est pour dire à quel point c'est vivant. Et donc, en conséquence un peu de cette approche qu'on a avec le sol, de manière pratique sur le terrain, ce qui a conduit nos sols à ce niveau de faiblesse, c'est première cause principale, c'est le labour, parce qu'en fait, quand on déchire le sol et on met la terre à nu, on va simplement détruire l'habitat de tous ces micro-organismes. Et ensuite, c'est que tous ces micro-organismes, ils sont comme nous, ils ont besoin de nourriture, sans quoi ils maigrissent. Ils n'ont que deux sources de nourriture, c'est la vie végétale et les défections animales. Donc bien sûr, les animaux, ils ont été remplacés par des machines depuis plusieurs décennies. Pour ce qui est de la vie végétale, naturel et du coup meurent en défaut de nourriture. Voilà, donc ils ont besoin de cette de matière organique pour se nourrir, donc les animaux étaient remplacés par des machines, donc les défections animales, il n'y en a plus en général. Et pour ce qui est de la vie végétale, aujourd'hui, quand on regarde les grandes exploitations agricoles, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% de la surface terrestre qui est du sol agricole, en général, c'est des grands déserts bruns la plupart des mois de l'année, où cette vie végétale, cette photosynthèse est absente, sachant qu'en fait, c'est cette photosynthèse, le sucre carboné que les plantes fabriquent, qui vont permettre de nourrir
tout le cycle des micro-organismes, donc bactéries, thermigrades, vers de terre. Et ensuite, ces vers de terre, entre autres, vont permettre de créer cet humus dont les plantes se nourrissent. Donc c'est pour ça que quand un sol reste à nu, eh bien, cette teneur en matière organique, c'est comme ça qu'elle est descendue, on va dire, de siècles et même de millénaire en millénaire. Parce que par exemple, sur le bassin méditerranéen, chez nous, le labour, ça fait, c'est une pratique qui date depuis 5000 ans. Donc voilà les deux principales causes. Après, pour ce qui est des intrants chimiques, pesticides, engrais chimiques, on va dire, ça a accéléré le problème. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les sols ont un tel niveau de faiblesse que si demain, on supprime l'utilisation de ces intrants chimiques, dans les 3 à 4 mois qui suivraient, la production alimentaire mondiale descendra à 25% de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 75% de nourriture en moins. Donc ça veut dire que si un changement de trajectoire doit avoir lieu sans que des pénuries alimentaires vraiment désastreuses arrivent, il faut... Et c'est ce qui se passe en fait dans l'agriculture de régénération. Il faut simplement faire en sorte d'augmenter cette teneur en matière organique et naturellement les besoins d'intrants chimiques pourront être diminués sans baisser les rendements. Voilà, c'est ce qui se passe en agriculture de régénération, ce qui est en train de se démocratiser énormément aujourd'hui et du coup qui est poussé et incité. Alors à notre niveau, bon déjà pour finir avec que on va dire les auditeurs comprennent la solution de manière simple et concrète. Donc dans l'agriculture de régénération, il pallie à ces deux problèmes que j'ai dit, le labour et le fait de laisser les sols à nu. Donc en fait, ils vont semer les graines directement dans la terre avec un semoir spécifique. Donc du coup, ils ne vont plus travailler le sol, ils ne vont plus le perturber. Ils ne vont plus perturber les habitats, ces micro-organismes. Et ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle, ce que traditionnellement, ils se faisaient dans certains pays comme l'Inde, des intercultures où en fait, ils vont semer un mélange de plantes qui va recréer la biodiversité qu'on peut avoir dans une forêt. Et du coup, qui va permettre de maintenir cette photosynthèse sur le sol, que tout soit nourri. Et ensuite, avant la prochaine récolte lucrative, quand tout ça va être fauché, ça va se décomposer et finir de restituer au sol plus que ce qu'il a utilisé pour faire pousser sa récolte lucrative. Donc voilà. Et après, nous, de manière concrète, pourquoi je t'en parle? Pourquoi, depuis plusieurs mois, j'essaye d'en parler tous les jours à de nouvelles personnes et d'inciter de nouvelles personnes à se préoccuper de ça et à propager ça? En fait, le yogi qui a initié ce mouvement, donc Sadhguru, il a expliqué au début de ça que, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais sa fondation a créé une recommandation politique pour 197 nations pour encourager les gouvernements des nations démocratiques à ce qu'eux-mêmes incitent économiquement leurs agriculteurs à obtenir ce fameux minimum de 3% de teneur en matière organique. Permet comme ça que les gens comprennent aussi, c'est pas une fondation qui est là pour demander des sous à l'État, c'est une fondation qui est là pour demander à l'État de fournir assez de finances aux agriculteurs pour qu'ils puissent déjà s'en sortir dans leur mode de vie qui est déjà difficile et de pouvoir passer à ce mode d'agriculture douce et durable, parce que et puis aujourd'hui c'est il faut quand même avoir à l'esprit que l'agriculture, l'économie agricole aujourd'hui est tellement fragile que si on la touche un peu trop fort, elle s'effondre. Ils ont fait une étude aux États-Unis qui illustre très bien ce qui se passe à l'échelle planétaire au niveau de l'agriculture et ils se sont rendus compte que là-bas, 50% des agriculteurs n'ont pas touché un seul dollar de profit depuis 12 ans. Oui, mais ici aussi, c'est ce que je dis. En faisant la France, je peux dire qu'il y en a beaucoup qui vendent leurs produits et qui n'ont même pas de quoi se payer un salaire. Rien que malheureusement il y a un taux de suicide très élevé chez les agriculteurs. C'est ça. En fait, ils ont fait cette étude aux États-Unis, mais comme je l'explique, en fait, ça illustre ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et comme tu l'as dit, c'est là où il y a le taux de suicide le plus élevé, toutes professions confondues. Donc il y a des familles entières qui se suicident parce qu'au-delà de ne pas pouvoir faire d'argent, ils n'ont même plus de quoi se nourrir. Donc c'est dans cet état-là et c'est pour ça que le seul moyen qu'il y ait un changement de trajectoire de manière globale, c'est qu'il y ait une incitation économique. Et pour qu'il y ait une incitation économique dans le laps de temps qu'on a, c'est-à-dire on a une fenêtre de 15 ans avant vraiment que la vie dans le sol atteigne un stade où ça mettrait 150 à 200 ans à se reconstituer quoi qu'on fasse, et la moitié de la population mondiale, les scientifiques responsables disent qu'on n'y survivrait pas. Donc dans ce laps de temps, pour pouvoir se retourner du bord de cette catastrophe, il faut que ce soit une incitation, ça vient d'une incitation économique, donc ça doit venir des gouvernements et c'est là où on a notre rôle à jouer, c'est là l'intérêt de ce mouvement et d'ailleurs ça a fait ses preuves parce qu'en fait la stratégie c'était de dire il y a cette recommandation politique qui a été transmise à ces 197 nations et s'il y a 4 milliards de la population
mondiale, donc ça fait à peu près 60% de la population mondiale adulte. Donc s'il y a 4 milliards de personnes qui expriment cette préoccupation, qui la propagent, et ça sur une période suffisamment significative, les gouvernements ne pourront pas ignorer cette intention, ce souhait, et ils seront obligés de prendre les mesures, d'investir l'argent qui est nécessaire pour pallier à ça. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui se passe... La Fondation est là pour ça, pour faire prendre conscience aussi auprès des dirigeants qu'il y a un problème et leur expliquer que... Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, le yogi qui a créé cette fondation et qui a créé ce mouvement explique que ça fait à peu près 20 ans qu'il rencontre les décideurs politiques et les scientifiques de vol et qui s'est aperçu que tout le monde connaissait ce problème-là depuis plus de 20 ans. En général, tout le monde aussi connaissait la trajectoire vers laquelle ils étaient censés aller, mais rien ne se passait, ça pour deux causes principales. Premièrement, les sols, c'est quelque chose de très impopulaire et en général, il n'y a aucun décideur politique qui veut entreprendre et faire des choses impopulaires parce qu'en général, ce n'est pas bon pour leur carrière. Et ensuite, deuxième principale cause, c'est qu'ils n'ont jamais eu la confiance la confiance finalement des citoyens de leur nation pour prendre des mesures et investir de l'argent pour des choses qui sont censées porter leurs fruits 10 à 15 ans plus tard, parce que là c'est de ça qu'on parle. Chacun son mandat et qui généralement ils agissent dans un terme de leur mandat et qu'ils sont un peu du reste et c'est notre conséquences après. Oui, et c'est notre responsabilité parce qu'en général, peut-être probablement pas toi et moi, mais la plupart des gens qu'ils attendent de leur gouvernement, c'est lié à des investissements de court terme. C'est-à-dire qu'en général, la préoccupation de la plupart des gens, ça va être réduction d'impôts, avantages monétaires, rabat à la pompe. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas important, mais le truc, c'est que ça reste important tant que les sols restent en vie et dans la mesure où on continue à avoir de la nourriture, de l'eau douce et de l'air respirable. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut recadrer. Il faut réévaluer et remettre à sa place quelles sont les priorités et qu'est-ce qui est réellement vital. Et en tant qu'être humain, et en tant que mammifère, les fondations d'une bonne vie possible sur cette planète pour nous, c'est de la nourriture, de l'eau douce et de l'air respirable. Et ça, c'est entièrement conditionné par les sols. Donc c'est vraiment ça. Le but, c'est d'inciter un maximum de personnes à ce qu'aujourd'hui, plutôt que d'exprimer uniquement leurs préoccupations liées, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, à des investissements de court terme, c'est les inciter à exprimer leurs préoccupations pour des investissements qui sont liés à des choses de long terme. Donc en fait, pour ça, ce yogi a entrepris un périple et le 21 mars, il est parti de Londres et il a traversé 27 nations pour rejoindre le sud de l'Inde. Donc pendant 100 jours, il a fait 30 000 km, pendant lesquels il a fait ça à moto seul, il a 65 ans, donc rien que ça, c'est un exploit. Et pendant ces 100 jours, il a cumulé à peu près 598 événements. Et donc en fait, c'est la première fois qu'un mouvement populaire comme ça, lié à un aspect vital, enfin qui conditionne des aspects vitaux et existentiels, a une telle réceptivité autant de la part des citoyens des gouvernements, parce qu'en fait dans chaque nation où il est passé, dont Paris chez nous, il était dans les capitales et dans les plus grandes salles de ces capitales, et en fait à chaque fois c'était des milliers de personnes, donc à Paris c'était plus de 10 000 personnes, et c'était ce rythme là et ce niveau, on va dire, de fréquentation citoyenne tous les deux jours, et après aussi donc une réceptivité citoyenne sans précédent comme je disais, et après sa notoriété lui a permis, toujours pareil dans chaque nation où il est passé, de rencontrer les décideurs politiques, de leur transmettre cette recommandation politique en main propre. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en extrêmement bonne voie parce que aujourd'hui, on estime qu'on serait à peu près 3,91 milliards de personnes comme moi à être touchées par ça et à le propager, on va dire, un peu quotidiennement, en tout cas sur le long terme. Et aussi, au niveau gouvernemental, il y a aujourd'hui 81 nations qui ont signé cette recommandation. Alors on va me dire une signature, ça ne veut rien dire, c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus juste des signatures et des paroles. Aujourd'hui, les milliards affluent. Donc aujourd'hui, il y a les États-Unis en conséquence de tout ça, en conséquence de tout. C'est la première fois. Conséquences de leurs actions, donc c'est un peu les obliger effectivement à réaliser que ce mouvement, que ce problème existe et qu'ils doivent agir. Et comme on disait, c'est encore nous qui avons, on oublie souvent que c'est nous qui les élisons, donc c'est à partir de là qu'ils prennent un peu conscience que si les gens vont vers une action,
aller vers le contraire pour eux, c'est nuisible. Tu vois, comme on disait, ils vont faire des choses en leur propre intérêt. Oui. Donc, mais en fait, alors oui et non, parce que comme je disais jusqu'à présent, on a tous constaté que les gouvernements ne sont pas là pour faire des choses fantastiques. Ils sont là pour remplir un mandat. Et voilà, jusqu'à présent, le mandat de la plupart des gens, c'était lié à ces investissements de court terme. Donc en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient la confiance de notre part, la confiance pour mettre en action et investir de l'argent pour des choses qui sont censées porter leurs fruits 2 à 3 mandats plus tard. Donc en fait, c'est là où notre responsabilité, et c'est dans ce sens qu'on est tous consciemment ou inconsciemment une partie de cette destruction, et que du coup la solution, c'est qu'on est tous une partie de la solution, parce que finalement les gouvernements, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, ils se calquent, et ce mouvement le prouve. Moi, j'y croyais pas trop, mais finalement ça le prouve. Ils se calquent sur notre intention actuelle. Et quels sont les gouvernements qui ont déjà alors oui, et ben les États-Unis ont débloqué 8,5 milliards de dollars pour la santé des sols, et chez nous en Europe, c'est les Allemands qui ont commencé 4,5 milliards de dollars pour la santé des sols. Et bien sûr, ça va naturellement se propager probablement sur tous les autres pays d'Europe, dont le nôtre en France. Donc ça prouve que quand il y a... Souvent, la France calque souvent sur les décisions prises en Allemagne, donc c'est déjà un grand pas de pouvoir avoir fait changer la mentalité en Allemagne, en se disant justement c'est un des pays les plus influents d'Europe, ouais, pour moi. C'est ça. On voit politiquement, je parle, oui, économiquement. Donc voilà, c'est vraiment, ça montre vraiment, et à ma connaissance pour la première fois, que quand il y a près de 60% de la population mondiale adulte ou de la population d'une nation qui exprime une intention commune et sur une période significative, eh ben les gouvernements répondent. Et donc là, c'est une preuve vraiment irréfutable pour tous les plus sceptiques, moi y compris au départ, qui croyaient sans y croire. Mais c'est se battre contre des moulins à vent, mais là oui, il y a des actions concrètes qui vont se passer. Il faut encore continuer à propager, à faire connaître le mouvement pour faire évoluer les choses. Oui, alors surtout pour accélérer le rythme, parce qu'en fait maintenant le changement de trajectoire est opéré, et du coup ce qui va déterminer qu'on subisse, on va dire, encore une certaine partie du désastre qui était annoncé, et du coup des pénuries alimentaires, parce que ça avait pris une certaine inertie quand même, ça va être au rythme auquel tout ça se fait. Et le rythme est proportionnel forcément à l'argent qui est investi, qui continue à être investi. Cet argent, comme on l'a vu, est proportionnel au gouvernement qui, eux, se calquent finalement dans le fond sur les intentions profondes et sur le long terme, les intentions vraiment visibles de la majeure partie de la population. Donc c'est pour ça que je t'en parle, c'est pour ça que aujourd'hui je... On prend un moment avec vous pour en discuter. Comme j'avais dit avant, ceux que ça intéresse pas, bah, zappez, mais il y a des choses importantes qu'il avait à vous dire, et c'est pour ça aussi que je prends le temps de filmer tout ça. J'espère pour ceux qui se sentent concernés, qu'ils ont plus de détails, n'hésitez pas donc à aller voir la fondation. Il y a deux supports, il y a un site internet qui s'appelle Sauvons les sols en anglais, donc safesol.org, et ensuite vous avez un support, donc là vous avez un peu la retranscription écrite de tout ce que je viens de dire et bien plus, et après vous avez un support audiovisuel, donc une chaîne YouTube qui a été créée pour l'occasion, qui est le nom de la bannière. Donc c'est Planète Consciente, toujours pareil en anglais, donc Conscious Planet. Vous avez la retranscription de tous ces événements, et je vous encourage notamment à aller voir en premier lieu le mouvement qui a eu lieu, l'événement qui a eu lieu à Paris. Donc il suffit de taper sur YouTube Safe Sol Paris, et en français si on veut l'avoir traduit en français. On mettra le lien dans la description, t'inquiète pas. On peut, donc pour ceux qui veulent voir, on mettra directement le lien dans la description, car comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. On ira voir ça ensemble pendant le montage qui se fera donc après de la vidéo. Et concernant le logo et toute la visibilité, on avait parlé qu'on va rajouter un petit cadeau que tu m'as fait, qu'on va les mettre sur la roulotte, et là vous pourrez voir donc le nom du site, et puis oui. Après j'aurais aimé ajouter quand même de manière concrète comment, si on ne veut pas, on va dire, propager ça de manière aussi engagée forcément que moi. Que peut-on faire, hormis moi, gagner de la visibilité?
activité. De manière beaucoup plus simple, eh ben, y a plein de moyens qui sont disponibles. Donc, par exemple, il y a ces t-shirts qui ont été créés, Safe Sol, sur ce mouvement que vous pouvez acheter à un coût modique, je crois que c'est à 8€, et les porter. Vous pouvez télécharger des logos, les imprimer de différentes tailles et les coller sur différentes choses, véhicules, téléphones, peu importe que devant chez vous. Vous pouvez aussi par exemple signer vos SMS, il y a des smartphones qui permettent de signer automatiquement tous les SMS, moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai signé tous mes SMS Sauvons les sols et ensuite SaveSol.org. Voilà, il y a toutes sortes de façons simples et on va dire plus sophistiquées, engagées, de propager ça et de devenir d'une certaine manière une partie de cette solution. Ces actions-là, on peut les retrouver sur le site. Voilà, ces supports, le logo, les t-shirts, ils sont présents sur le site. Et après, ou sinon, si vous voulez, si vous vous sentez plus concerné, bah, dans le fond, on est tous énormément parce qu'on dépend tous à 100% de ça. On devrait, dans le fond, l'être tous immensément. Parce qu'au-delà de nous nourrir, les sols, comme j'ai dit, c'est les plus grands réservoirs d'eau douce de cette planète. Donc ça détermine aussi ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de stress hydrique. Et c'est aussi les plus grands puits de carbone. D'ailleurs, ils disent que si seulement cette teneur en matière organique augmentait de 0,4% par an en moyenne, ça suffirait à absorber toutes les émissions qu'on produit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça répond aussi à cette problématique du réchauffement climatique. Et dans le fond, si les sols étaient en bonne santé, en suffisamment bonne santé, on pourrait même polluer beaucoup plus sans aucun problème. Donc c'est ça qui est incroyable. Oui, mais tout ça pour dire que la solution finalement, c'est pas de réduire nos émissions. Si les sols meurent, on pourra tous rouler à vélo, ça résoudra pas le problème. Donc vraiment, il faut faire en sorte que les sols restent en bonne santé. C'est surtout ça le message qui est important. Voilà. Ça ne sert à rien de sauver la planète si on ne commence pas déjà par sauver les sols. C'est ça. Voilà. Je pense que ce sera le mot de la fin, si tu me le permets. Avec joie. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Comme on l'a dit, on mettra tous les liens dans la description, le nom du site, les vidéos à aller voir. Voilà, Vincent, namasté. Merci. Merci pour ce message et j'espère qu'il sera entendu. Allez. On coupe. Allez, dernière action, ou plutôt deuxième action, après la vidéo, voilà, le petit logo qui va être dorénavant sur la roulotte et qui va nous accompagner tout le long du voyage. Et peut-être un jour, il fera le tour d'Europe.